Yannick Duc, bonjour. Bonjour. Merci de venir ici sur le plateau de Bordeaux TV. Qu'est-ce que ça évoque pour toi les épicuriales ? Pour nous, c'est une manifestation particulière. Ça nous permet de sortir un peu de nos établissements, de venir se mettre un peu en conditions réelles comme ça dans une grande ville et c'est du plaisir avant tout. Alors tu es patron du restaurant Le Hito à Saint-Vincent-de-Tyrosse depuis 14 ans. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de cet établissement ? C'est un établissement pour nous qui a généré beaucoup de choses parce que c'est une vieille bergerie qui est ancrée dans notre tradition. Et nous, on est arrivé avec nos envies de cuisine un peu particulière, emprunt un peu de modernité, peut-être un peu d'impertinence, et venir faire exploser des choses dans cette maison, lui donner de la vie et sur un fond de culture qui était présent. Tu as monté tout ça avec ta femme ? Ah, c'est une grosse aventure humaine. La spécialité, s'il y en a une, c'est quoi ? On a un plat qui ne change pas, qu'on avait amené ici l'année dernière, qui est le déshabillé d'homard avec un jus de presse de carapace au curry jeune, lait de coco avec des ravioles curry vert, qui est un plat qui est très expressif. Alors ce plat-là reste tout le temps à la carte. On a voulu à un moment donné l'enlever de la carte, mais les gens nous ont dit c'est hors de question, vous le laissez en place. Après, la cuisine évolue tout le temps, au gré des saisons, au gré des nouveaux produits que l'on découvre. Nous, on aime ça. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Nous, je suis un gamin. Je veux rester un gamin. Je veux rester un gamin jusqu'au bout. Et je prends plaisir dans cette source de enfantine où tous les jours en fait je découvre des choses différentes et j'ai envie de les préparer, de les embriquer, de les marier, de changer les textures, les goûts. Ça reste la racine de mon travail, ça le restera tout le temps. Ouais. Les produits frais évidemment. Tout à fait. Des innovations aussi dans la cuisine tout le temps. Oui bien sûr. Alors après il y a des gens qui nous entourent qui nous amènent des choses différentes. On a des fournisseurs aussi qui nous proposent des choses différentes. Ce soir aux épicuriales. Ce soir, on travaillait sur un produit local qui est le foie gras de Canard des Landes. Pour l'entrée, on l'a marié avec du thon blanc fumé, petit fumage artisanal en Grèce près de chez nous. Et donc avec un chenet de mangue et baie timure et un croustillant de pain d'épices. Pour le plat, on a joué un veau fermier local d'une jolie maison qui s'appelle la maison Aimée à Dax. Je ne sais pas si on peut la citer. Au contraire, les bons, il faut les citer. Oui, tout à fait. Et après, on travaille sur une pulpe de céleri, asperges vertes. On a fait un jus au café qui, là, un petit peu pareil que l'année dernière. On a essayé de créer une harmonie avec le vin qui est servi ce soir. On est sur un jus qui est torréfié, arabica, qui va bien se marier avec le vin. Et sur le dessert, on a effectivement joué quelque chose de très enfantin parce qu'on a deux bonbons en fait qui viennent dans le dessert. On voulait de la fraîcheur, donc sur des framboises, on a des textures de citron jaune différentes et de la réglisse qui vient dans le dessert. Et on veut qu'à chaque cuillerée, on ait une explosion de saveur en bouche. On ait un truc qui se passe beaucoup de goût, beaucoup d'arômes, des textures différentes. Et effectivement, on a deux bonbons qui viennent là qui ont été travaillés différemment pour venir un petit peu exploser en bouche. Bonne soirée. Merci à vous. Et merci.